Bon, ben, ça commence. Bonjour tout le monde. Bienvenue à la capsule du Gourou Gougoun. La capsule numéro 17. Hey, déjà 17. Faut que je prenne qu'est-ce qui passe, hein? Physiquement, c'est comme ça. Je diminue. Physique veut me suivre, là, petit Chris. Bon, on va arrêter. On va arrêter de niaiser. Ça fait partie du physique. Tout, faut me passer. Comme j'ai dit l'autre fois, il faut donner la femme 2, c'est plus. Bon. OK. Les deux sujets vont parler aujourd'hui. Le premier sujet, c'est le sujet chaud. Qui se parle pas mal sur le web de ainsi l'année. Ça s'appelle l'Astral. Ou Kritak. Ensuite, je vais parler du message que j'ai reçu par Tobouctou. Je vous parlerai pas tout de suite de tout ça, là. Je vais garder ça pour la fin. Je garde toujours les rouges pour la fin. Comme les smart clips. Bon, c'est quoi l'Astral? Oh, ça, là. Ça, c'est quand t'entends des voix, là. Tu sais, il y a une petite voix qui te dit, fais ceci, fais cela. Ou ben non, c'est quand t'es ici, puis dans le fond, t'es là-bas, là, tu sais. T'es ici, t'es là-bas en même temps. Sauf que celui qui est ici, lui, il est plus là, il est là-bas. Ton autre côté de toi, là, il est parti astraliser quelque part, là, dans les dimensions, là. Choque. Pour m'éclater. Ah, il fait chouette. On va aller une grotte. Non, parce que, voyez-vous, même s'il ferait moins 40 dehors, en dedans, il fait au moins 40. Parce que normalement, là, je ne porte rien sur le dos. J'ai bien dit sur le dos, pas sur le corps. Mais vous autres, là. Ben c'est ça justement, imaginez qu'est-ce que l'autre voit qui a dit là, c'est ça l'astral justement. Là tu vois toute l'imagination se procréer dans ta tête là, mais tu vois l'autre tout nu. Va dire une affaire, l'astral c'est tout un monde d'imagination ça là. Oh, crétac. Oui. T'imagines, là, tout n'est pas pareil comme sur Terre. Du moins, qu'est-ce qui ressemble à la Terre? Oups, là. Ah, il fait chaud en tabarnak. Oh, il aurait fallu que j'allume le ventilateur, je pense. Bon, tantôt. Non. Mec, comment ça va être... Mon fond ruisselle un peu, là, j'ai de quoi pour tenir tout ça, là. Aïe, c'est quel tabou que t'as, toi? Il est fort, le géritol. Ah, c'est tout. Hein? Doup. Acquitte. Faut pas que je perde ta couette là, c'est elle qui me dit tout là. Ben oui, c'est mon astral. Là, elle me dit, Dédé, non, gourou. T'as mis la peine? T'as mis la peine? Ouais, elle capte. Elle capte tout, même tout, beaucoup. Là, elle me dit, gourou, gougou, natation de trouée. La fin du monde approchée. Elle sur ses chiens, tabarnak. C'est ça, quand tu fais le maillot aussi.
Le maillot, quand c'est des prédictions de maillot. Ben, moi, je l'avais dit, de toute façon. Je l'avais vu dans l'astral, là, que ça n'arrivera pas. Oui. Voyons donc. La fin du monde. Si on est dû avoir une fin du monde, ça fait longtemps que ça aurait été fait. Moi, en place du bon Dieu, c'est ça que j'aurais fait. Une chance, vous êtes chanceux, je suis pas le bon Dieu. Peut-être que ça serait bien en tabarnak. Oui. Bon, on sait c'est quoi l'astral, là, Star? Bon, peux-tu parler sérieusement? Oui, je sais, c'est moi qui parle. Y a des choses à retenir dans l'astral. La seule chose qui est bon à retenir, c'est rien du tout. C'est incroyable, impossible. Non. Faut pas te repiner au pied de la lettre, là. C'est ça que je veux dire, là. C'est pour ça que je dis rien du tout. Oups. Il faut retenir le côté symbolique des visions, le côté symbolique que ce soit dans le subtil au niveau de tes oreilles. Le toucher astral, jusqu'à maintenant, j'ai pas eu cette expérience. Le toucher astral, j'ai déjà eu des touchers anal parce qu'il faut fouiller la prostate, mais des fouilles astrales, non. Il pose ça à la même place. S'il pose à la même place, fuck you. Oups. Non, mais tu sais, ça serait tout ça le bas astral. Oh la maudit parfait. Le malfaisant. Soyons sérieux. Non, c'est vrai, la seule chose à retenir, c'est des symboles. Il n'y a pas autre chose à retenir là-dedans, là. C'est comme lever un couvert de poubelle puis se crisser le nez dedans, là. C'est pareil. Il y en a qui font des maudits malades. Regarde. J'ai perdu ma couette. Parmi les autres couettes. Ah! Il est à ma couette. You! Ça serait facile, hein? Ouf! Non, mais. C'est ça qui fait chaud. Moi, tu vas avoir un clean cut. Non, non. Faut pas aller, qu'est-ce qu'il y a. Pas envie le trésor ridicule du gourou, là. Pitié. Oups, mais j'en coûte. L'astral. Il n'y a pas vraiment quelque chose de bon là-dedans. Tu peux pas, au dire comme François m'a dit, tu peux pas te fier là-dessus. Il n'y a rien de vrai là-dedans. C'est juste des mirages. Oui, il y a des sous-plans, puis il y a des plans, puis il y a des sous-dimensions, puis il y a des dimensions. Mais là, si tu commences à embarquer là-dedans, c'est surpris de l'astral, ça va être du compliqué. Déjà que notre plan français, il y a des fois qu'on a de la misère à comprendre pourquoi ils ont mis un E là, puis des fois ils n'en mettent pas, comme dans foie, tu mets un E pour représenter ton foie. Pour représenter la foie, mais t'enlèves le E. Tu sais, c'est ce genre de complications-là là, qu'on a là. Là, là, là. Le nombre de foie. Ouais, mais là, le foie, c'est un S, là, c'est pas pareil, là.
Hey, des fois, là, tu sais. De quelle fois tu parles? Il dit, moi, j'en ai un problème, des fois. Il dit, après 3 fois, je suis plus capable. Ça, c'est astralisé, pas après. Ouh. Le gars s'énerve à soi. Co-co-co. Ah non, vrai co. Ah, il faut méditer, transcender l'ego. Mais oui, il faut transcender l'ego pour pouvoir sortir. Oups. Parce que si tu amènes ton ego avec toi et faire l'astral, là, au bout d'une affaire, tu vas en avoir des vertes et des pommes. Oui. Puis en plus, refuse tout. Comment tu dis ça déjà? Il y a un terme pour ça. Amour. Comment tu appelles ça? Les choses là, que les personnes prennent pour partir. Il y a un nom pour ça. Pas de la drogue, c'est pas pareil. Ça fait partie de ça, là. Mais il y a un nom pour catégoriser ça, là. T'en souviens plus trop non plus, hein? Elle est bien passée. Merci à vous. Ne prenez rien de subterfuge. Non plus, hein. Là, si tu prends tes joints avant de faire ça, là. T'es sûr, certain, voir Jésus. Puis il va faire peace. Peace chez vous, ça va-tu bien? Bon. Ok, on se calme. Et il n'y a pas grand chose à tirer de l'astral. Et pourtant, ça fait partie de toutes les mémoires terrestres dans une matrice nommée anakashique. On a tout ça ici, là, dans le petit cœur. Ça fait partie intégrante. Partie intégrante. Pas intégrante, mais intégrante. Que soudainement, ou tout bonnement, là, tu es en train de faire quelque chose, puis paf, tu te retrouves ailleurs, en train de faire de quoi, mais d'une autre façon. Ça, c'est des mémoires qui reviennent. Il y en a qui vont, par exemple, ils vont détailler une maison qui a déjà resté peut-être d'une vie antérieure, puis ils sont en train de tout détailler qu'est-ce qu'il y a dans la maison, voire même la couleur de tapisserie avant qu'il y ait des changements. C'est côté astral, ça aussi. Mais c'est des mémoires qui reviennent. Tu peux pas te fier à ces mémoires-là, sauf que c'est un peu plus près la réalité. Parce que tu peux vérifier, tu peux homologuer. Ça fait partie d'un plan astral. Plan physique, peut-être? Je sais pas. Faudrait le demander à François de me renommer les plans de l'astral. Les plans de perception. Surtout. Parce que t'as le plan astral, t'as le plan physique. T'as d'autres plans aussi. Les plans nègres. En tout cas, nous autres on disait ça pas chez nous. Fais pas les plans de neige. J'ai jamais su pourquoi elle disait ça, ma mère. Fais pas des plans de neige encore là. J'ai dit non, je me planterai pas jusqu'au nombril. Pauvre mère. Fais son âme. Yeah.
souhait. Puis du chouette de finir la calice de grippe. Regarde juste un exemple, fin de prière, méditer. Ça, c'est entrer en contact au niveau astral, hein? Tu tombes en contact avec toi-même. Faites ce qui arrive ici, qu'est-ce qui arrive à ça? J'aimerais ça vous donner les. Ben, c'est pas là pour rien, ça. Eh oui. Ça fait partie des capacités de réussite de l'être humain. De mettre à terme, d'accomplir une chose qui n'est pas faite. La création. Toute création vient. Tant que le hamster roule, là. Tant qu'il roule, le hamster, là. C'est pas toujours dans la bonne dimension qui tourne, là. Il y a des contacts qui se font comme du channeling, là. Oupelay. Ça, c'est du haut astral, haut tonnage. Il faut le croire, ça, là. Hey. Bon. C'est cela. Un fois, là, je vous parle de l'astral à soir, là. Ouais, soir, à matin, plus. Parce que j'ai passé la nuit encore debout. Comme à toutes les nuits. Toutes les nuits. Mais non. C'est une habitude, j'ai plus du tout travaillé de nuit. C'est mon cadran biologique. Il est à l'envers de tout le monde. Je peux bien être marginal. Un malfaisant. Un mécréant. Ça a l'air que si un gourou le dit, parce que c'est vrai. Je n'aimerais pas le nom. Mais de toute façon, il est toujours pogné dans l'astral, lui, là. En tout cas, je m'étais. C'est pas la vie qui me manque, mais non. Mais non. J'ai tout. Moi, je m'en mêle plus de ça. Je fais ma toute affaire. La paix, tabarnak. Oups. Quel langage. Ben là, tu veux, je fais demain, pour pas changer. Hein. Et ça, les choses changent. Les humains, ça change pas, les humains. Non. Tu es né comme ça, tu vas mourir comme ça. Tu changes pas. La seule chose qui peut rassembler un changement, c'est l'évolution que t'as dans ta vie. C'est juste ça. Tu évolues. Tu ne changes pas, tu évolues. Parce que si je changerais, là, ça fait longtemps que j'aurais. Ça aurait fait longtemps que mes pets auraient senti le lilas, là. T'es fini? Ben non. J'aurais jamais fini. Là, je t'ai pas mis à l'avant. Ben non, tu sais. Je t'ai eu. En fait. Quoi, ça? De quoi, moi? Je vais avoir d'autres images. Il faut que tu m'as. Je t'ai envoyé d'autres images. C'est ça. Ok. Nos problèmes aussi. Ouf. Ouais. Il n'y a pas grand chose à aller chercher dans l'astral. Dans le fond, là, l'astral, là, c'est comme tu fumerais une cigarette, puis la boucane sortirait, là. Elle s'en va, là.
C'est ça la star. C'est ça l'astral. C'est de la fumée. La fumée de la cigarette. Elle est visible. Mais c'est insipide. Ça sert pas grand chose, le bien. C'est ça. L'astral. C'est un compartiment où on devrait marquer warning, warning, attention, attention. Danger, danger. Du, du, du. Danger, danger. J'en mets pas mal épais, là. Pas mal épais. C'est épais. Bon. C'est un gros compartiment. Tellement gros que les perceptions sont illimitées. Autant que ton imagination est fertile, autant que les mondes existent. Ben oui. Quelqu'un qui est moindrement imaginatif pour écrire, là. Il reçoit toutes les. Qu'est-ce qu'il reçoit, lui, là, il peut écrire, là. Puis ça sort seul, tout, ça sort. Ben souvent, ceux qui sont. Moi qui appelle ça les personnes qui ont l'écriture automatique, là. Tu sais, il arrive, mettons, c'est grave sur un forum, il est en train d'écrire, puis c'est blanc, là. Il a même pas fait le titre, puis il n'a rien fait encore, là. Puis bang, là, ça sort. J'en connais de ça. Voulez-vous des noms? Ok. Vous ne les direz pas. J'ai même pas beau les nommer, de toute façon. En auteur, je le sais. Bon. Pas fait. Ben oui, c'est un malfaisant. Bon, je pense que j'ai fait le tour de l'astral, hein. Je prends un petit 2 minutes de break. Oups, arrête. Break time. Bon, on va continuer. Oups, non, je ne retourne pas dans l'astral, là. Trop compliqué. Ben oui, je sais. Le méchant de Toubouctou qui s'en vient, là, ça s'en est de l'astral. Ouais. Qu'est-ce qu'il m'a dit, lui-là? J'en ai écrit un petit peu sur le forum Intimité, là, dans la rubrique Salon. Le message, là. Le message. Le hamster roule. Je sais pas si vous avez lu ce message-là. En partant, c'est. Ça a pas avec une toune de Pink Floyd. Pour mettre dans la dimension de la phrase. Oh, on va arrêter ça. Bon. Je sais pas si vous avez lu, mais en tout cas, en grosso modo, le message vient de cet aspect que l'humain devient de plus en plus dans sa création. Il est sorti l'imprimante 3D, là. Je sais pas si vous avez vu ça, là, sur le web. Je vais juste taper sur la barre de Google ou la barre de YouTube. Imprimante 3D, vous allez voir ça sortir. Ils font n'importe quoi avec cette imprimante-là. Puis même, je sais pas si j'ai dans la vidéo, j'ai vu ça, ben non, c'est dans l'astral, là. Ils peuvent faire des maisons avec ça. L'as-tu vu, toi, la vidéo? La vidéo? Oui. Ils faisaient des maisons, hein, je pense. Ben, c'est sûr, ils disent que ça serait possible.
fait les maisons. Il parle aussi que possiblement on peut faire des remplacements de viscères humains. Pour lui avoir un cœur de babouin, pour avoir un cœur de silicone. Ben, le message de Tobutu, c'est par rapport à ça. Là. Lui, là, il me dit là que cette invention-là, elle va faire changer beaucoup de choses au niveau de la création humaine. Il va y avoir une no sky limit. Puis lui, qu'est-ce que la manière qu'il m'expliquait ça? Me l'expliquer comme ça. Ça, je pense, c'est de l'astral, là. Il n'y a rien de fiable là-dedans. Vous en faites ce que vous voulez. Mais il me dit que si l'humain parvient à faire ce changement spectaculaire au niveau de la technologie, on va être, on est à la porte des premiers cyborgs. La cyber, le cyber, comment on dit ça? La cyber, comment il écrit ça? La cyber robotique. C'est ça, c'est écrit. C'est ça, la cyber robotique. La manière qu'il me dit ça, là. Pour moi, il n'avait fumé du bas. De toute façon. C'est mon fournisseur. Quoi? Oui? De quoi? Chercher quoi, moi? C'est quoi cette affaire-là? Tiens, que tu dis. Ouais. Elle est pas la même chose. De quoi tu cherches? La tourne Goldspack Sérénité. Où tu l'as mis? Je l'ai pas pris. Je sais pas comment aller la chercher. Pas dans l'erreur? Où tu l'as mis? Je l'ai pas pris encore. Ah, ok, mais il est dans l'erreur. Non, ben où je vais la chercher? Pas là, c'est ça, je m'en rappelle pas. Pas là, hein? C'est quoi la tourne? Goldspack Sérénité, elle est pas. Regardez. Tu n'es pas là-dedans? Tu envoies ici, là. Ok, c'est là. C'est un changement faux, il n'est pas là. Il n'est pas là, tu peux le mettre. Ouais. Tu sais quoi, tu viens de l'afficher. Oui, c'est là-dedans. Ok? Merci, madame. De rien. C'est 50$. Ben là, tu sais, il faut que je paye mes. Faut que je paye ma ligne. Si je suis pas rendu. Bon, j'étais rendu où déjà? C'est moi. Ouais, c'est ça, il parlait là, tout. Il dit lui, il a peur que que l'humain parvienne à faire l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si on a ça déjà, là. C'est juste des films qu'on a vu ça, là. En tout cas, celui qui font les films, les créateurs de films, là. Ben, les auteurs d'histoires de même, là. Ça, c'est parce qu'il fouille dans la strade, pas à peu près, hein. Bon, ben, selon qu'est-ce qu'il me dit, l'humain est assez imbécile. Créer la cyber robotique avec une intelligence artificielle pour faire des soldats de remplacement, là. Lui, Tobutu, il a peur de ça, là. Ça a l'air, là, qu'il a manière de mettre ça, là, que l'humanité s'en va sur le mauvais bord s'il crée ça. Tu sais, ça donne quoi créer au loup quand t'as pas vu encore le bout de son museau, là. Comme je l'ai dit tantôt, vous en faites comme vous voulez. Mais je tiens pareil à le souligner parce que j'ai l'impression que ça va arriver à ça tôt ou tard. Parce que l'invention de l'imprimante 3D, là,
Ça va faire un bon phénoménal. Tout va se faire. Tu vas faire des empreintes, là, vas mettre ça dans l'imprimante, 3D, pour me faire un dentier avec. Un dentier acrylique. Tu peux chausser les bus à travers les murs. Tu fais une belle tarte au silicone, tu mets ça sur la table, tout le monde va penser « Oh, ça va être bon! » C'est ça la phrase, ça trompe! Ouais, c'est ça, il est alarmiste mon Tobutu là. Il nous a dit « Télé, 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 André, dis à tout le monde! » Non, non, « Gourou, dis à tout le monde! » »« Dis à tout le monde! » Comme il dit, le monde s'en sac. Non, mais il y a, ouais, ça a du bon, cette invention-là, là. Tu sais, dans la petite 10 ans, là, ils vont reconstituer un cœur à partir du silicone, puis ils vont ça va être direct que s'ils vont être. Tout est électrifié, puis le cœur va battre. Une nouvelle pompe à sang. Rien n'est possible. Lui, qu'est-ce qui l'inquiète, lui? Ah oui, le Tobutu, là. C'est l'intelligence artificielle. Apparemment, qu'est-ce qu'il me dit? Son monde est devenu de même. Tous des robots. Il n'y avait plus de race. Les races ont disparu. Ils ont resté avec les robots sur la planète. Sauf que la technologie de ces cyborgs-là était limitée. L'intelligence était limitée. Parce qu'il n'y a pas eu assez de temps de l'intelligence de se rendre au même niveau que les êtres qui étaient là. La façon qu'il m'a dit ça. Ils n'étaient pas au même niveau d'intelligence. Fait que les autres, ils ont stagné. Parce que les machines, ils ont viré contre les êtres qui étaient là. Contre leurs concepteurs. Si dans le concepteur d'une intelligence quelconque, on risque d'avoir dans cette intelligence quelconque, les mêmes attributs que le concepteur. Alors, moi, il serait étonnant que ça arrive à ça dans les 10 ou 15 ou 20 ou même les 100 premières années, les 100 prochaines années, ça m'étonnerait bien gros, malgré que l'essor qu'il y a eu dans la technologie humaine, elle ne cesse que de bondir. Depuis que nous avons les ordinateurs, ça fait pas mal de choses, là. Tout se sait. Il y en a qui sont pas vite, là. Ils manquent, ils appellent leur boss de travail, puis ils disent, oh, je suis pas aujourd'hui, j'ai de la gastro, là. Puis ça va écrire sur Facebook, là. C'est pas vraiment une bonne affaire pour cacher, là. C'est pour ça que je te dis, tout se sait. Avant, ça se savait même sans ordinateur. C'est toi, imagine-toi avec l'ordinateur. T'es pogné à 100%. Eh oui. Donc, moi, je serais pas étonné de voir un jour les premiers viscères humains se créent par cette machine-là, là. Parce que c'est tout programmé au millième près de chaque chose qu'ils font, là. C'est exemple, tu fais une bouteille de coke, comme ça, là. Une canette de coke. Ben, l'imprimante apprend toute la dimension, la hauteur, la largeur, la profondeur, la quantité. Puis elle fait ça en trois dimensions, pouf, fini.
Et voilà une autre canette. Des clones de canettes de coke. Il y a bien du monde qui va perdre des emplois avec ça. Quand la machine est rendue plus perfectionnée que l'humain, tôt ou tard, l'humain il va perdre sa croûte. Parce que tôt, j'imagine une telle invention là. Voyons, calice. T'imagines qu'un peu là, la machine qui remplace, exemple, un chirurgien. Il dit, tiens, on va te passer dans l'imprimante de 3D, là, puis on va t'opérer. Hey, faut se fier à la machine en crise. Moi, je me fierai jamais à une machine, surtout faite d'un homme. Ou d'une main, je veux dire. Je suis pas sexiste, là. Déjà que, il y a pas mal de machines, là, qui, en tout cas. De quoi? Ça n'a pas marché? Ça marche pas. C'était un peu. Ok, mais c'est très peu la foudre. Ben ça, c'est pas encore changé, là, mais. Ah, t'as pu. Point que tu as, là. C'est quoi, là? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi, là? C'est une étude. Ça y est, ça, papa. Eh oui, moi, tu as demandé avec ce que tu faisais. C'est parce que des fois, quand tu prends le lien, il y a un espace qui se crée avec ton curseur. Mais okay. Si tu le mets dans. Tu l'insères en code, il va avoir l'espace où tu l'enlèves. C'est compliqué, une machine. Je ne suis pas prêt à un sourire, on parle de ça. Ouais, mais c'est ça. De retard et de problème. Ben, c'est ça, là, l'affaire du Tobutu. Lui, il me dit que dans. J'ai l'impression, la façon qu'il me dit ça, ça va être dans pas long. Que les premiers soubresauts de l'intelligence artificielle, il va se faire. Voilà, c'était ça le message que j'avais pour lui. Fait que ça met fin à la capsule. Ciao!